Eh bien, salut tout le monde, c'est Akilus, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et je ne vais pas dire Akilus, je vais dire Akipik, parce qu'on fait un 5 trucs, des choses à savoir sur le cochon. Je pense que vous l'avez vu dans la miniature et dans le titre. Bon les gars, c'est un peu une parodie, voilà, je suis Akipik, donc j'ai des trucs sur le cochon, bref. Donc les gars, on se retrouve pour les 5 choses à savoir sur le cochon. Et c'est parti! Donc les gars, pour ces 5 choses à commencer, je vais parler d'un autre mob, mais ça a une référence. Vous voyez le creeper, le truc qui t'explose à la gueule, qui est bien casse-couille. Et bah les gars, le creeper est apparu le 31 août 2009 et est basé sur une version ratée du cochon que Notch avait commencé, d'où les 4 jambes du creeper. Donc voilà, je pense que vous savez tous qu'un cochon a 4 pattes et Notch, en faisant quelques petites manips sur son clavier et en se mastiquant la nouille, voilà, il a dû se tromper de commande et ça, en faisant un cochon, bah il a créé le creeper, donc voilà. C'était une petite erreur de Notch. Merci mon gars, maintenant tu nous as créé un monstre super casse-couille. Eh bien, on va passer à la quatrième petite information. Bref, donc les gars, je pense que vous faites tous de la survie ou des UHC sur Epicube. Donc pour info, au cas où vous n'avez pas besoin de... C'est un truc à savoir qui est même très important. Les gars, si vous faites un UHC et que vous n'avez pas le temps de vous refaire un four et que vous avez tué un cochon, sachez-le que ça vous redonne 1,5 poulet si vous mangez du porc cru. Et si vous le faites cuire, ça va vous redonner 4 poulets. Donc les gars, ne faites pas l'erreur de manger un porc cru et que genre il vous reste un poulet, le truc qui est bien chiant où tu dis non, je vais me remettre full poulet et tout. C'est un peu la galère. Mais bon, voilà, c'est une petite info à savoir comme c'est comme ça. Et on passe à la troisième info. Eh bien les gars, on se retrouve pour la troisième info. Donc là les gars, je viens d'apprendre un truc. Tu vois, en même temps, j'apprends des trucs pendant que je te dis les infos. Je viens d'apprendre que... Vous êtes en survie et tout et tout et tout. Et vous voyez les cochons zombies qui sont dans le Nether? Eh ben ils peuvent aussi apparaître dans l'Overworld. Et tu sais comment? Eh ben si un cochon est touché par la foudre, il se changera en cochon zombie. Voilà, c'était la troisième info. Maintenant, on passe à la deuxième. Eh bien les gars, on se retrouve pour la deuxième info. Et là, c'est une info assez spéciale. On va remonter dans le temps et on va revenir à la version 0.25 de Minecraft. Les gars, avant dans Minecraft, on ne pouvait pas manger. Voilà, il n'y avait pas de bouffe, il n'y avait pas de barre de bouffe. Donc, les cochons, qu'est-ce qu'ils larguaient? Qu'est-ce qu'ils chiaient? Qu'est-ce qu'ils sortaient de leur froc? Eh bah, ils larguaient 0 à 2 champignons marrons et c'est tout. C'est tout. C'est... Voilà. C'est tout. Voilà. C'était la deuxième info. Maintenant, on passe à la première. Peut-être que ça va être la mieux, hein, on ne sait pas. Hein. Et les gars, on se retrouve pour la dernière info. La plus importante. Donc les gars, cette première info, je vais juste vous dire que je suis un cochon. En vrai, j'ai une tête de cochon, tu vois, je ressemble à un cochon. Tu vois, j'ai déjà très bien le bruit du cochon, tu vois. Ça, c'est la méga info à savoir, tu vois. Tu vois. Voilà, ça c'est vraiment quand je renifle bien fort. Non, attends, maintenant j'ai un gros molard dans la bouche, donc j'ai tout de suite arrêté cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner les gars, bon c'était la petite info troll hein, parce que j'en ai pas trouvé d'autres, parce que Minecraft Wiki c'est de la merde, c'est tout. Hein, non, s'il vous plaît, hein, frappez-moi pas. Je rigolais, hein. je rigolais. Allez, salut. Salut. Like.